Je vous ai dit qu'on n'est pas de la même catégorie. Moi, quand je parle, les chefs d'entreprise m'écoutent, les grands directeurs m'appellent, me félicitent. Puis il faut que tu es très intelligent, contrairement à beaucoup qui bavardent sur Internet, tu es dans le concret. Je vous le dis, beaucoup vont bavarder là. Beaucoup vont faire 100 postes, 300 postes. Mais ça ne va pas donner l'argent après s'aimer. Ça ne va rien lui ramener comme argent. Je vous ai demandé de me mettre au défi. Hein. Vous avez écrit en commentaire, vas-y, essaye. J'ai reçu l'appel de près de 6 propriétaires de snacks de boîte de nuit à Douala qui m'ont appelé. Ils veulent bien recevoir Prince Aimé. Maintenant, vous, en commentaire, dites-moi. Où est-ce que vous aimeriez le voir la semaine prochaine à Douala? Commençons par Douala, en fait. La semaine prochaine à Douala. On va le faire ensemble et je vais vous montrer que c'est moi le patron. Et quand je parle, les directeurs, les chefs d'entreprise m'écoutent. Parce qu'ils savent que derrière, il y a un stratège en communication. Il y a une tête pleine qui s'appelle Pifo, qui est très intelligent. Dites-moi, vous voulez voir Prince Aimé où la semaine prochaine? Parce que depuis qu'on parle sur Internet, là, il n'a presté nulle part. Hein. Il n'a encore eu aucun cachet. Hein. Il n'a encore rien gagné. Hein. Rien, je dis rien, financièrement. Vous voulez le voir où la semaine prochaine? Dites-moi, je vais le faire pour vous. Et je vous rappelle que Jenny Solo, le son arrive. Je ne déçois jamais. Vous allez danser ça. Un dangereux Benskin avec le palum de Bamoun. Mangambe, Benskin palum. Pas le coupé décalé qu'on allait faire dans l'homme. En essayant de faire comme si on veut réveiller Viviane, là, on allait faire le coupé décalé. Vous combattez les Ivoiriens, mais vous les vénérez. Tu vas faire le remix de Viviane. Viviane, c'est le Makosa, mais quelqu'un a trouvé l'idée ingénieuse de mettre le coupé décalé dedans. Il a dénaturé la chanson. Mais rien que ces moutons de sa moutonnerie là vont le suivre. Hein. Vous savez, quand les moutons suivent quelqu'un, c'est comme ça, en vague, comme les bœufs là. C'est comme ça que la majorité sont sur Facebook. Mais c'est pas de votre faute. Parce que votre cœur est envahi par l'aigreur, qui est d'ailleurs le meilleur plat dans beaucoup de familles au Cameroun. Dans beaucoup de familles, on mange la jalousie, l'aigreur, la sorcellerie, la méchanceté. Voilà le plat de beaucoup de Camerounais. Et c'est héréditaire. Dans beaucoup de familles, c'est héréditaire. Moi, je vous ai dit, loin de tous ceux qui bavardent là, I am the only one who can make that man and men and much more money. C'est l'anglais. Vos blogueurs là ne peuvent pas parler le genre d'anglais, c'est pas le pidgin. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra mon frère, regarde. Ce qui sort de mon corps, ça c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire, je ne peux même plus boire les bières. Ça c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis M. Takuke Mathieu, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème dans tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibrome, de kyste, de cancer, de troubles d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de spermatozoïde, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de milliers. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors, c'est des traitements qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la Recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors, donc, pour problème de santé, venez nous voir, vous ne serez pas déçus. Je consulte à Manguier le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai trois clients dans la vidéo. Et soyez les gens dans tout le monde entier. Merci.
Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.